Bonsoir à tous, bienvenue sur IRM.radio, c'est l'heure d'IRM Détox. Ce soir, nous allons particulièrement parler d'alimentation avec notre invitée qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, Babette de Rosière. Bonsoir Babette. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est avec Jérôme et Arnaud et ce soir, donc effectivement, nous allons parler de Babette, ça c'est certain, mais aussi d'alimentation puisque Babette est chef cuisinier. Alors, on dit chef cuisinier ou chef cuisinière? Moi, j'aime bien chef cuisinier. Chef cuisinier? Pourquoi féminiser un métier d'homme? Ah non, un métier d'homme, c'est aussi un métier de femme, ben, c'est un métier à l'origine, c'est un métier d'homme. Mais nous, la femme, on est dedans, je ne vois pas pourquoi on va... Ah oui, ouais, intéressant comme dedans. Particulier. On est dedans, oui, on est aussi comme eux. Mesdames les féministes. Non. C'est vrai qu'elles ne vont pas, les féministes ne vont pas forcément apprécier, mais ok, non mais... Et Babette... Si, les féministes, c'est une chose, mais il y a aussi des féministes qui sont extrémistes, hein. C'est faut pas l'oublier. C'est vrai, c'est vrai. Alors quand ça commence à devenir comme ça, ça n'a plus aucun sens. Hein. Non, quand c'est extrême, effectivement, qu'on ne comprend plus trop le message... Tout ce qui est extrême... Ça ne me convient pas. Je suis d'accord. Ce n'est pas parce qu'on dit femme, chef, le chef, qu'il y a un truc, ça y est tout de suite, à pousser des recris, parce qu'elle n'a pas dit la chef. Attends. C'est vrai qu'on l'a féminisée en plus. La chef, la femme auteure. Exact, ou écrivaine. Écrivaine, tout ça, c'est n'importe quoi. Les gens qui ont un complexe identitaire... Il y a on n'a pas de complexe. Ceci dit, pour les femmes, il y a de vrais combats à mener parce qu'il y a encore beaucoup d'inégalités, mais effectivement, peut-être pas sur ce terrain-là. Ben voilà, c'est ça. Oui, voilà. Je vous rappelle le numéro de la radio, 07 71 59 62 68. Vous pouvez réagir sur le stream live de Twitch. Nous envoyez aussi des textos ou des SMS sur WhatsApp. Pour répondre à vos questions, vous pouvez interroger aussi notre invitée. Babette est également... Elle est chef, certes, mais elle est également conseillère régionale, déléguée spéciale à la gastronomie auprès de Valérie Pécresse. Pardon, à la région Île-de-France. Donc, tout à fait. C'est pour ça aussi que vous êtes là ce soir. Ah non, c'est ça, pas ce soir, je ne suis pas là pour parler politique. Non, on ne doit pas parler je politique. Je suis là ce soir pour parce parler... que je suis en pleine promo de mon salon. C'est la seule chose qui m'intéresse pour l'instant. Il y a le salon, ça qui voilà. On va beaucoup en parler. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Si on m'avait dit que ce n'était pas pour autre chose, je ne serais pas venue. Ah, moi, je suis cash, je dis ce que je pense. Ah non, mais il faut... Alors, ici, sur IRM, on dit ce qu'on pense. Ah ben voilà, ben ça tombe très bien. C'est le but de la radio. De toute manière, on va beaucoup parler du salon Sagace d'Homme, mais pour les gens qui ne vous connaissent pas, pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, Arnaud va quand même faire un portrait pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous. D'accord. Oui, bonjour. Enfin, bonsoir. Enfin, quand j'ai préparé le portrait, je vous avoue... Je ne vous connaissais pas. Si, je vous connaissais pour une chose, pour France 5. Parce que je regardais l'émission et votre visage m'est revenu. Donc je vous connaissais en fait de C'est dans l'air. Voilà comme ça, derrière, en préparant l'émission. C'est à vous ? Ouais. Ah, c'est à vous, pardon. C'est dans l'air et c'est à vous, à chaque fois je mélange. Donc, bah, vous êtes donc Babette de Rosière, hein, ça on le savait. Chef cuisinier, on dit chef cuisinière ? On va pas répéter la même chose. Chef cuisinier française, animatrice de télévision. Vous êtes venu donc à France 5, France O, France 2, France 3, exactement. France Gourmet, enfin Gourmet TV, etc. Oui, depuis pas mal de temps en fait derrière. Femme politique. BFM aussi. TV. BFM. Je suis tous les matins, tous les samedis. My Cuisine. Oui, vous manquez deux choses. Ah, j'en ai d'autres. Hein. Depuis que vous êtes arrivé sur l'ORTF, que vous êtes parti, il y a eu beaucoup de choses. Il y a en eu fait. Énormément de choses. J'ai mis en fait les principaux. Ouais. Vous êtes conseillère aussi régionale d'Île-de-France. Tout à fait, dans l'exécutif et je m'occupe de gastronomie. Je n'ai pas quitté mon terrain de chasse. Star de la culture, j'ai vu. Ah, écoutez, oui, pourquoi pas. J'ai chef d'entreprise aussi, oui. Surtout, donc c'est pour ça que vous êtes quand même importante dans l'histoire, puisque... Moi, je suis importante. Qui est important maintenant? On peut le regarder dans les fonctions, par exemple, puisqu'en général, le citoyen français, en général, a une seule fonction et puis il rentre chez lui. Ah, moi, je suis multifonction. Vous voyez? Là, vous avez beaucoup plus de choses. Je suis multicarte. Et vous avez aussi quelque chose, c'est vous avez des responsabilités. Et ça, c'est très important. Heureusement. Je résume, né d'une famille de commerçants, dont un grand-père boucher et tripier. Donc ça, c'est à votre
corps défendant. Elle obtient une licence d'histoire-géographie. Elle est mariée à Claude Butin, qui est magistrat, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je voulais que je dise en plus? Rien d'autre. Parce que moi j'avais deux trois questions en fait derrière. Allez-y, mettez-vous à l'aise, posez des Est-ce questions. Est-ce qu'on a le droit de parler 2-3 minutes de pendant la politique? Parce que j'avais vraiment. Non, je ne parle pas de politique. Pas du tout. Je vais vous dire, c'est clair. Ouais. Quand on m'a appelé, on m'a dit qu'on m'invite pour parler de mon salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie. C'est pour ça que je suis là. Si c'est pour parler politique, je m'en vais tout de suite. Non, c'était juste parce que c'était là. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est un autre registre. D'accord. C'est un autre sujet. Okay. Le sujet d'aujourd'hui, il faut recadrer tout. Le sujet aujourd'hui, c'est la gastronomie. D'accord. Très bien. Parce que, on parlera politique dans une autre émission. Quand on m'invitera, avec plaisir, quand on m'invitera pour parler politique, je parlerai politique. Ah ben j'adorerais. Voilà, mais je ne mélange pas les deux, même si c'est deux cuisines différentes, mais je ne mélange pas. Parce qu'il y avait une question avec la réussite surtout, parce que moi je voyais en fait chez vous surtout. Vous savez, la réussite, ça se mérite. Hein, la réussite, c'est pour ça. On n'appuie pas sur un bouton et qu'on réussit. Hein, donc dès le départ, il faut savoir ce que l'on veut et où on veut aller. Donc quand on a choisi une voie, ben, on s'y tient. Quels que soient les problèmes, quels que soient les embûches, quels que soient les cris, quels que soient les primes, tout ce qui peut arriver derrière, ben, on s'y tient, on va jusqu'au bout de ses rêves. Et puis au bout, forcément, c'est le bonheur. Vous parlez et c'est de ça rêve. Que je vais faire. Est-ce que, juste pour revenir sur les émissions culinaires, la télé, ça a toujours été un rêve? Ah, ça n'a pas été un rêve pour moi, la télé. Mm-hmm. La télé, c'était une circonstance. Moi, j'ai passé des concours parce que je voulais travailler. J'étais jeune, j'étais seule. Il fallait bien que je mange. Mmh. J'ai passé des concours après cette licence et, pour aller plus vite, pour travailler plus vite. Mmh. Et il se trouve que l'OATF m'a appelé. Mmh. C'était par voie télégramme. Je suis arrivée et puis j'ai commencé à travailler à l'OATF. Mmh. Et là, j'ai connu beaucoup, beaucoup de personnes. J'ai connu, d'ailleurs, j'ai vu les embryons des émissions. D'aujourd'hui, j'ai rencontré des grands comme Michel Simon, Dali, Yves Montand, Signoret. J'ai connu tout le monde. Et là, c'était un vrai plaisir parce que je travaillais sous des émissions. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais c'était pas un choix, ni un rêve, ni rien du tout. Non, je rêvais d'une chose, c'est de réussir ma vie. D'accord. C'est une opportunité, quoi. Voilà, c'était une bonne opportunité. D'ailleurs, je n'ai jamais quitté l'antenne jusqu'à maintenant. C'est vrai. Et j'ai fait la cuisine d'un côté, l'antenne aussi. Et les deux se marient très bien ensemble. Mm-hmm. Et j'ai écouté, en fait, j'ai eu une anecdote de vous. Moi, ça m'a fait drôle. C'est quel est le problème avec le saumon? Ah, moi, j'avais toujours saumon. Des problèmes avec le saumon. Le saumon, c'est quelque chose. Oh là là. Non, quand vous parlez, c'est des boutons. Oui, mais pour une cuisinière, vous ah ben cuisinier, oui, évidemment. Savez, pour pas... une cuisinière, ça ne veut pas dire que ce sont des cuisinières, on mange tout. Oui. Ou est-ce que vous mangez tout, vous? Non, non, mais alors, quel est le problème? Le saumon, je ne suis pas chef. C'est pas de un truc exceptionnel. C'est, ah, bah, parce qu'on est chef cuisinier, on doit tout manger. Je pensais. Non, excusez-moi de l'ignorance. Il sort d'où, lui? Oula, de loin. Ah, bah, je vois ça. Non, j'aime pas le saumon, j'aime tout sauf le saumon. Sauf le saumon, d'accord. Voilà. J'aime tout sauf le saumon. Vous êtes allergique, hein? Ah non, j'ai pas d'allergie. Non, c'est que je trouve que ce poisson-là n'a pas l'aspect d'un poisson parce que les poissons orange, à chair orange, je trouve ça un peu bizarre. Donc je mange tous les poissons à chair blanche, à chair rouge, mais les poissons à chair orange, ça me parle pas. Je pense qu'en tant que chef, on peut avoir des affinités pour certains produits. Moi j'aime tous les produits, je travaille tous les produits. Le seul produit que je travaille pas, c'est le saumon parce que je ne comprends pas Je comprends pas. Et puis quand j'ai vu des reportages sur le saumon, sur l'élevage du saumon, alors là, ça m'a conforté dans mon choix. Beaucoup de dérives par rapport à parce que le saumon, c'est pas pour l'instant. Il y a encore du plein de mer quand même. Oui, du saumon mais pêche, alors, mais bon, c'est pas le même prix. Oui, mais d'ailleurs, je ne mange que des poissons qui sont de qualité. Oui, mais des bons produits. Parce que c'est la santé quand même le produit, bons produits. C'est important la santé. Ah ben oui. C'est la base. Il y a un vrai engouement justement pour la cuisine, pour la gastronomie aujourd'hui. Tant mieux. Alors qu'il y a toujours eu des émissions culinaires, mais pourquoi il y a un réel engouement aujourd'hui quand quand j'ai commencé à faire la cuisine, d'ailleurs, c'était exceptionnel parce qu'il n'y avait pas d'émissions de cuisine à l'époque. Mmh. Et d'ailleurs, moi, je parlais de ma culture parce que j'estime que ma culture, elle est française et qu'il me doit de parler d'abord de ma culture au lieu de parler d'autre chose. Mmh. Et évidemment, il se trouve que quand je parlais de produits qu'on trouvait en Outre-mer, ça choquait quelques personnes qui trouvaient le moyen de m'appeler ou de m'écrire pour me dire des choses.
Et maintenant, je vois que ces produits-là même que je défendais sont maintenant dans les cuisines des grands chefs. Ça me fait énormément plaisir. Ça veut dire que les gens ont évolué, ils ont un peu voyagé, ils sont moins ignorants. Et ça, c'est bien. Ils ont revu leur copie. C'est parfait. Parce que moi, je savais en France qu'avant de venir, qu'il y avait du citron vert. Du citron jaune, pardon. Mais eux, ils ne savaient pas qu'il y avait du citron vert, par exemple. Enfin, c'est bien. Et la cuisine, c'est ça aussi, c'est transmettre. C'est ça. Donc, au début, il n'y avait pas d'émission de cuisine. Maintenant, ça me fait énormément plaisir de voir que les gens s'intéressent à la cuisine. Parce que quand on s'intéresse à la cuisine, ça veut dire qu'on a envie de bien manger. Bien sûr. Et que les mères de famille ont pris conscience aussi que le fait de cuisiner peu de choses, des petites choses, avec le petit moyen, avec très peu de choses, sans rentrer dans des choses chichiteuses, on peut bien nourrir sa famille. Parce que la cuisine, c'est ça, c'est simple. C'est avant d'être chichiteux, tout ça, c'est pas pompeux la cuisine. La cuisine, c'est très, très simple. On a souvent tendance à penser que de bien manger coûte cher. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. C'est pas vrai. C'est un leurre d'ailleurs. Et en plus, on a la possibilité d'ailleurs en Île-de-France d'aller dans les fermes, d'acheter des choses. Et puis sur les marchés aussi, on sait bien, il y a énormément de produits et ces produits-là ne sont pas plus chers. Quand vous allez au supermarché, là, on peut dire que les produits, c'est un peu cher. Parce qu'évidemment, les supermarchés, c'est un peu... C'est très spécial. Et puis, j'aime pas la politique des supermarchés par rapport aux petits producteurs. Ils en abusent. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est une fausse croyance de croire que manger sainement coûte cher. Non, non, pas vrai. Ça demande de l'huile de coude. Vaut mieux manger peu avec des produits de qualité. Voilà. Je suis d'accord. Entièrement d'accord. Arnaud, tu veux rajouter quelque chose ? Autant que possible des produits de saison. Oui. Autant que possible. Non, j'ai fait grosso modo ce dont j'avais besoin. Et puis, je pense qu'on peut aller sur le sujet directement juste après. Juste avant, j'aimerais juste... On est devenu timide. Ben non, j'avais d'autres questions. Allez, les questions, c'est quoi, Arnaud ? Allez, hop ! Tout était en rapport avec la politique sur certains trucs. J'avais... Le seul truc, mais c'est la seule chose que je peux vous dire pour la politique, pour essayer d'aller dans votre sens, c'est que moi j'ai créé en Île-de-France un parcours de la gastronomie. Et ce parcours de la gastronomie est composé de 6 sites prestigieux, emblématiques, parce que de toute façon, même de l'étranger, quand on dit place de la Concorde, on sait où ça se trouve, notamment l'hôtel de la Marine qui va ouvrir justement. Début juillet, où on trouvera tout ce qui se mange, tout ce qui se boit dans une ambiance exceptionnelle. Il y aura un bistrot salanté. Il y aura aussi des ateliers de cuisine où les personnes, les enfants, les adultes pourront venir apprendre la cuisine avec des très grands chefs. Ça, c'est intéressant. Et puis, il y a d'autres sites aussi, à Versailles, il y a à Saint-Ouen. J'ai placé mes sites dans des endroits emblématiques. Ça veut dire que quand on parle de Versailles, on sait où ça se trouve. Quand on parle de Saint-Ouen-les-Puces, on sait aussi. Et puis, il y a Noisiel, la chocolaterie de Nestlé, qui aussi sera un petit peu pédagogique parce que les enfants pourront voir de la fève au chocolat, comment ça se prépare, comment ça se déguste après. Voilà, ça c'est politique, mais c'est une volonté de Valérie Pécresse de s'intéresser à la gastronomie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle m'a nommée déléguée spéciale chargée de la gastronomie. D'accord. Voilà, et maintenant je suis en train de valoriser tous les produits franciliens, tous ceux qui se mangent, tous ceux qui font du bien finalement en Île-de-France. Et l'Île-de-France, quoi qu'on en pense, ce n'est pas uniquement des maisons, des HLM et tout ça. C'est vraiment des terres agricoles à n'en plus finir. Et il y a beaucoup, beaucoup d'agriculteurs et de producteurs en Île-de-France et je les valorise. Bien, chapeau. C'est très bien. Parce que c'est vrai qu'on manque aussi, comme vous le dites, on ne valorise pas suffisamment toute la partie agricole de la France. Oui. Les gens n'ont pas toujours les infos. Il y a une promotion parce que si on n'a pas les hommes de la terre, on fait quoi? C'est la terre. Il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de producteurs, il n'y a plus rien. Vous faites quoi? Vous mangez quoi? Il faut les soigner, les agriculteurs. Il faut soigner les hommes de la terre. Et moi, je m'en occupe. Et surtout, ça me parle parce que tout vient de la terre. Tout vient de la terre. Du coup, vous avez anticipé ma question puisque je voulais que vous nous parliez du parcours de la gastronomie, mais c'est fait. C'est fait. Six sites en Île-de-France, grâce à la volonté d'une présidente qui est entrepreneuse, Valérie Pécresse, qui gère bien la région, qui a fait foule de choses en 4 ans que son prédécesseur n'a pas fait en 17 ans. Et ça, il faut le souligner. Pas de politique, on a dit. Ah ben oui, c'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas m'attaquer sur la politique. C'est pour ça qu'il ne faut pas... Mais je reste dans le cadre. Je suis dans le cadre de la gastronomie. Vous conviendrez. On est d'accord, c'est le thème de l'émission. Donc vraiment, on parle de gastronomie. Mais comme je disais, l'invitation est ouverte pour une autre fois pour parler politique. Ah ben ça, je suis très à l'aise. En plus, il y a des échéances qui vont arriver. Donc je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Effectivement, parlons de Sagas d'homme. Ah, ça m'intéresse. Ça nous intéresse aussi. Vous êtes la fondatrice du Salon de la gastronomie
et des Outre-mer. Gastronomie des Outre-mer et de la francophonie. Exact. Cette année qui aura lieu le 31 janvier, le 1er et le 2 février. À la Porte de Versailles. Porte de Versailles, tout à fait, pour la 5e édition. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de la genèse, en fait, de ce salon? Alors là, c'est toute une histoire. Pourquoi vous avez voulu créer? Écoutez, au départ, je n'avais pas envie j'avais pas précisément envie de monter un salon. Mais en tout cas, j'avais fait un dossier complet pour parler de la promotion, non seulement promouvoir, mais conserver nos acquis au niveau de notre culture ultramarine. Et ça a démarré comme ça, et je me suis dit, bon, j'ai fait un constat qu'en Outre-mer, je suis passée dans toutes les régions des Outre-mer, et j'ai remarqué, ce qui n'existe pas quand j'étais enfant, que beaucoup de gens sont obèses maintenant, et même les enfants. Donc, il y a un problème de malnutrition. Je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas rester comme ça, ne rien faire. Parce que souvent, les parents, ils se rendent même pas compte hein, que les enfants sont en surpoids, etc. Parce que ça va plus vite d'aller dans un fast-food, de manger vite fait, etc. Ils ont perdu la notion, comme faisait ma grand-mère, d'aller derrière la maison, de prendre 2-3 produits dans la terre, cuisiner sainement, même un petit jardin, préparer vraiment un repas pour la famille. Ça, c'est perdu. C'est votre grand-mère qui vous a donné le goût de la cuisine, d'ailleurs. Oui, mais je n'ai pas cuisiné avec elle. J'ai appris à cuisiner par le nez. Voilà, parce que je sentais les bonnes odeurs. Et là, à partir de là, je me dis, bon, j'avais préparé un dossier, essayer de voir si quelqu'un, le gouvernement, peut s'intéresser à ce problème-là et essayer de voir ce qu'on peut faire pour améliorer ce fléau. Je considère que c'est un fléau parce qu'il y a aussi le diabète qui va avec. Bien sûr. Et puis, j'ai vu un ministre et j'ai apporté mon dossier. Il m'a dit, bon, c'est intéressant et tout. Un an passe, pas de nouvelles. Mais entre-temps, il m'appelle pour l'accompagner dans des manifestations gastronomiques. Ça me plaît aussi, bon, j'y allais. Et quand j'ai vu qu'elle ne s'occupait pas de moi, donc j'ai appelé son chef de cabinet. J'ai dit, ça fait plus d'un an que je donne un dossier, personne n'en parle. Je vais faire une conférence de presse dans mon restaurant et puis je vais expliquer pourquoi la ministre ne parle pas de ce problème-là. Et à partir de ce moment-là, cette ministre m'a proposé... Elle m'a proposé de me décorer, ce que j'ai refusé, parce que ce n'était pas ça que j'attendais. Et là, j'ai pris la décision de créer un salon de la gastronomie. L'idée m'est venue de faire ça. Je me suis dit, si je crée un salon de la gastronomie des Outre-mer, ça veut dire que je vais réunir tous les gens qui sont dans les territoires et régions d'Outre-mer et qui s'occupent de la gastronomie, mais en même temps, je pourrais faire aussi des débats, parler de la nutrition et puis mettre en avant le sujet, le pourquoi que je voulais parler de ce fléau-là. Et tout a commencé comme ça. J'ai été voir un monsieur qui s'occupait de salons que je connaissais bien et je lui ai dit, voilà mon idée, j'ai envie de faire un salon uniquement basé sur la gastronomie des Outre-mer. Oh, il m'a dit, c'est pas possible, oh là 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 là, ça va être compliqué, ça va être... Si, je sais pourquoi c'est compliqué, c'est pas plus compliqué qu'un autre salon. Qu'est-ce qui lui paraissait compliqué? Ah, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai dit, on fonce. J'ai commencé à chercher un local. J'en ai trouvé un à la Porte de la Villette. Une fois que j'avais trouvé le local, ça y est. Et le salon reposait uniquement sur la tête de Babette. Et bien, j'ai quand même réussi le premier salon à faire 63 stands. C'est et bien. Puis, voilà. Et 15 000 invités. 15 000 visiteurs. Et à partir de là, j'ai dit, voilà, maintenant, je vais continuer mon salon. J'irai jusqu'au bout. Et maintenant, 5 ans, il y a tout ce qui se boit, tout ce qui se mange et toute la culture ultramarine. Et là, sur place, sur le même toit, c'est formidable. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit, sur un même toit, toutes les régions de l'Outre-mer. Ce n'est pas une foire, vraiment un salon. C'est un salon élégant, c'est un salon, il fait bon vivre. On mange, on boit, on fait la fête, on partage, on rencontre, on installe des ponts, des liens. Et c'est vraiment formidable. Et c'est ça que j'aime. Et c'est pour ça que j'invite les gens qui m'écoutent de venir découvrir ce que c'est vraiment que l'Outre-mer. Parce que dans l'Hexagone, nous sommes Français. Nous sommes dans l'Hexagone comme nous sommes en Outre-mer. Mais il y a bon nombre de personnes de l'Hexagone qui entendent parler, évidemment, des régions de l'Outre-mer, mais qui ne connaissent pas vraiment. Mais ils méritent de connaître puisque ça fait partie de la culture française. Donc, on est français comme la Bretagne, comme... voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce salon, pour qu'on nous voit autrement aussi. Parce que souvent, quand on parle de nous, on parle de nous lorsqu'il y a une catastrophe. Et on n'apporte pas forcément les solutions. Il y a une grosse catastrophe. Les gens, là, ça permet aux hommes politiques de se déplacer pour se faire mousser. C'est tout. Et puis, évidemment, quand
il y a des élections, oui. Eh ben, ils connaissent tous le chemin des Outre-mer. Alors moi, je trouve que c'est une hypocrisie que je ne supporte plus. Et il y a une chose que je ne supporte pas, mais pas du tout, c'est que lorsque ces hommes politiques arrivent dans ces régions des Outre-mer, je condamne fermement les gens des Outre-mer qui se permettent de venir habillés en tenue des îles à danser le folklore. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que quand on arrive à l'aéroport d'Orly, on danse le folklore? Est-ce qu'il y a des Bretonnes? Est-ce qu'il y a des Normandes? Est-ce qu'ils sont là en train de danser le folklore quand on reçoit un homme d'État? Non. Pourquoi ces gens ont pris l'habitude de faire ça? Moi, je le condamne. Ça rappelle le néocolonialisme. Alors moi, je ne sais pas, mais moi, je trouve qu'on devrait avoir un peu de tenue et recevoir les gens correctement. Mais on n'est pas obligé de faire tout ce tam-tam, tout ce truc pour ces gens qui ne s'occupent même pas de nous après. Ils s'occupent de leur identité, ils s'occupent de leurs images, ils viennent pour qu'on parle d'eux, mais ils n'en ont rien à foutre de ce qui se passe dans notre mer. Pardon de le dire. Non, mais il faut le dire parce que c'est la vérité, bien sûr. Et c'est pour ça que je déforme mes Outre-mer et c'est pour ça que j'ai créé ce salon, pour les réunir une fois par an, pour qu'ils aient du bonheur. Et en plus, c'est un salon qui est un vecteur économique très poussé parce que j'invite les gens, les acheteurs de grandes surfaces pour leur permettre de voir un peu les innovations, les choses que nous fabriquons. Et l'année dernière, d'ailleurs, il y en a trois produits qui sont vendus maintenant à grandes surfaces. Grâce au salon, des confitures et du rhum. Avec modération. Toujours pour l'alcool. La confiture. L'alcool ou le rhum. Quelle est la thématique cette année? Alors, c'est la mer. Et puis, l'invité d'honneur, c'est la Guadeloupe. La Guadeloupe. Alors, la mer, ça a tout son sens. Pour une simple raison que la Guadeloupe, c'est l'île aux belles eaux. Et puis, quand on rentrera dans mon salon. Il faut y aller. J'invite tout le monde à y aller. C'est très beau. J'ai deux architectes d'intérieur que j'ai pris pour s'occuper de la thématique de mon salon. Mon salon, il est soigné comme ma maison. Quand on rentre dans mon salon, c'est comme si on rentrait dans ma maison. Et il y a une grosse identité outre-mer dans mon salon, mais très élégant, c'est très raffiné, c'est très, très beau. Moi, j'aime ce qui est beau. J'aime pas les choses comme les fourre-tout, les foires, c'est pas pour moi. Moi, je fais un salon où tout le monde se retrouve. Oui. C'est élégant, c'est raffiné. Des gens font la cuisine, prennent plaisir à cuisiner, prennent plaisir à recevoir. Et c'est là que je leur demande de mettre en évidence leur culture. Mettez-vous en tenue traditionnelle pour représenter votre région. Faites vos plats emblématiques de vos régions. Là, ça a tout son sens. Oui, là, c'est normal. On aura droit à quoi, d'ailleurs, cette année? Plein de choses. Et si vous avez des enfants, j'ai créé un espace Mahomai. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui sont nés ici et qui ne connaissent pas leurs produits de l'outre-mer. Ils sont nés de parents outre-mer. Sans forcément connaître les produits. Voilà. Donc, je trouve que ça va pas. Et pour les Mahomai, je mets des produits de l'outre-mer pour apprendre aux enfants ce que c'est dès le départ que les produits au même titre que les produits d'ici. Est-ce que vous pouvez nous en citer pour nous donner un avant-goût? Il y a Christophine à Chayotte, il y a l'igname. Ça pousse même dans le sud de la France. Ah oui, l'igname, je connais, mais est-ce que vous avez cité avant? La Christophine à Chayotte. C'est bon, ça, gratin de Christophine. T'es de quel coin, toi? Madagascar. Il n'y a pas de Christophine, on appelle ça différemment. On appelle peut-être ça différemment. On l'appelle différemment, parce qu'on l'appelle chouchou à la Réunion. Chouchou, c'est des feuilles. Non, ça c'est des bleds, tu parles des bleds. Chouchou, c'est un... Chouchou, il y a des tu connais des pas la Christophine, attention, tu vas me faire pleurer. Ça ressemble au poivron. Non, pas du tout. Alors, un petit peu. Alors, je pense que ça doit porter un autre nom. Il y a Miriton, on l'appelle en Haïti. Christophine en Guadeloupe. Chayotte, son nom, voilà. Et Chouchou. Chouchou, voilà. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux. On l'utilise comme un concombre râpé avec une petite vinaigrette. On peut cuire comme la pomme de terre et puis aussi mettre une petite vinaigrette. On peut faire aussi comme un gratin dauphinois. Faire farci de crabe, farci de poisson. Attends, tu ne connais pas ça, mais tu ne connais rien. C'est très bon. Non, vraiment, Christophine, alors je suis en train de regarder. Et ça pousse à l'île Maurice, à la Réunion, mais je ne crois pas. C'est ça, bread chouchou. Eh bien, c'est bread chouchou. Ben c'est voilà. Ce que je disais, la feuille. Non, la feuille. Voilà. Je vais te donner un coup parce que tu. Ah, ben c'est parfait. Alors, le chouchou. Un coup de cuisine. Ça, la Christophine, c'est une plante grimpante. D'accord? Qui a des feuilles, bien sûr. Les feuilles, quand on les consomme, ce sont des breads. Voilà. Bon, c'est un plat qu'on fait qu'on appelle des breads. Mais le produit, le fruit.
ça, je le connais pas. Ça, c'est le chouchou. D'accord. Eh ben, on le mange. Très bien. Voilà. on mange les feuilles aussi. Mais les feuilles, oui. Ça, oui, ça, c'est ce que je connais, les fameuses les feuilles, chouchous. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites des fruits alors? Je ne sais pas. Oh là là, Babette va me tuer. Non, vraiment, je n'ai pas pour habitude de cuisiner donc la chayotte, c'est ça? Oui. Mais juste les braies de chouchou. Mais vraiment, on fait et vous ne mangez pas le fruit? Non, apparemment pas. Il faudrait que je me renseigne. Non, je crois que tu te trompes. Non, vraiment. Ça dépend des régions. Ça dépend des régions, c'est pas... Mais c'est ça que j'aime, justement. Toutes ces régions-là, on a les mêmes produits de base, mais on ne cuisine pas de la même façon. Et c'est ça qui fait la richesse de toutes ces régions de l'outre-mer, parce que Madagascar, c'est l'outre-mer, l'Afrique du Nord, c'est l'outre-mer, l'Afrique noire, c'est l'outre-mer, tout ça, c'est au-delà des mers pour moi. Complètement. Alors, donc, le thème, la mer, mais comme vous dites, ça a tout son sens. Il y aura des conférences aussi, avec quels intervenants, par exemple? Alors, il y aura des débats sur la nutrition. Il y a Jean-Michel Cohen qui vient pour parler de nutrition, pour expliquer que bien vivre, c'est bien manger aussi. Oui. Surtout bien manger. Et puis aussi, ce problème de l'obésité, il faut un peu le traiter. Et puis, il y a Yann Kefelec qui viendra parler de la mer. Mais la mer, vous savez, la mer nous nourrit. La mer, bien c'est sûr. Quelque chose de formidable pour nous. Mais la mer est menacée. Surtout en Outre-mer. Donc, il viendra parler de ces problèmes-là aussi. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment deux thèmes très intéressants. Et puis, plus, j'ai créé une salle de projection où on pourra voir les Outre-mer en images pour vous faire rêver un peu le mois de février et pour aller vite chercher vos maillots pour prendre l'avion pour y aller. Je crois qu'on a réellement besoin de soleil en ce moment, de toute manière. Et puis, il y a l'espace chef. Il y a tous les grands chefs qui ne nous boutent pas, qui viennent pour soutenir... Il y aura les démonstrations. Voilà, pour soutenir les jeunes des Outre-mer qui viennent pour passer le concours du Trophée Babette. C'est vraiment une ambiance exceptionnelle. Vous avez un trophée? Ah, ouais. C'est quoi le Trophée Babette? Il faut le mériter. C'est des jeunes, il y en a 14 cette année, qui viennent, qui font le voyage pour ça. Mm-hmm. Et ils ont un panier, tous ils ont le même panier. On leur demande de faire une recette. Et le plus compétitif gagne le trophée. Et d'ailleurs, l'année dernière, celui qui a gagné le Trophée Babette, il a été appelé ici par le président des meilleurs ouvriers de France, c'est pas rien. Il a passé le concours du meilleur apprenti et il a été élu meilleur apprenti de France. C'est un tremplin, ça vaut son détail. Non, c'est très très bien. Non, pour ça, c'est super. Et puis l'espace podium, alors mes enfants. Là, c'est vraiment, j'ai soigné depuis les costumes, tout, c'est d'une élégance, c'est magnifique. Les ballets créoles, les ballets brésiliens, les ballets réunionnais, les ballets guyanais, mais c'est magnifique. Les danses folkloriques, j'ai même fait venir des Africains. C'est magnifique. Je pense que ça va être super, c'est festif. Et puis les deux nocturnes, vendredi et samedi, se terminent avec la compagnie créole. C'est le feu. Et puis NJ, qui est une star, qui est comme Johnny, qui fait le feu. Là, le podium, il est exceptionnel. Exceptionnel. Donc, 5e édition du Sagas d'Homme exceptionnel, vraiment cette année. pour en revenir au sucre et à l'obésité, puisqu'effectivement, il y en a de. Il y a de plus en plus d'obèses, vous l'avez dit. On pense à tort que c'est le gras qui fait grossir, mais le sucre, on n'en parle pas. Ben écoutez, de toute façon, il y a déjà une inégalité qui existait. Heureusement, Dieu merci, on l'a corrigée. Quand on achetait un yaourt ici en France, c'était sucré, bien sûr. Mais le même yaourt envoyé en Outre-mer, c'est deux fois plus sucré. Ah bon. Eh bien voilà. Eh bien je sais pas. Mais maintenant ça y est, c'est rentré dans les clous. Ça n'existe plus. Deux fois plus cher aussi. Évidemment. On ne parle même plus de ça. Et voilà. Et c'est pas forcément les meilleurs produits qu'on envoie chez nous. C'est pour ça que j'incite les personnes qui sont en Outre-mer d'inventer, de créer, d'innover, Pourquoi les yaourts étaient plus sucrés en Outre-mer? Ben parce que paraît-il que nous aimons le sucre, c'est la Libye. Mais non, c'est impossible. C'est proclamé par des autorités non outre-mer, quoi. D'accord, non, oui, bon, c'est intéressant comme sujet. S'il me faut vous parler comment on considère l'outre-mer, on serait là demain. Ça risque de faire un buzz, donc je préfère être sage. Je connais relativement bien les Antilles, notamment. Nous ne sommes pas des sous-produits. Une autre émission sur les thèmes, sur les inégalités avec les domaines d'outre-mer, par exemple, etc. Bon, pour l'instant, je vais parler du bonheur. Ça rejoint la politique de mon salon, qui est super génial et qui est à la porte de Versailles, parce que ça a été difficile aussi de trouver ce hall à la porte de Versailles. Quand j'ai envoyé mon assistante
pour aller demander justement pour installer le salon de l'outre-mer à la porte de Versailles. Ça a tiqué un peu parce qu'il avait mal présenté la chose. Et quand je suis arrivée, j'ai rencontré une charmante dame qui m'a dit Babette. En plus, je crois que c'est la Babette, quoi. Babette, il n'y a aucun souci. Et depuis, nous sommes à la porte de Versailles. Et beaucoup de gens nous envient. Accessible. C'est génial, très accessible. Là, il y a tous les salons. Tous les salons, et puis le salon. Et puis, Viparis, qui est le loueur de ces halls, m'ont beaucoup félicité pour la qualité de mon salon. Donc, vraiment, j'invite tout le monde à aller faire un tour au salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie, n'est-ce pas? Je rappelle les dates, 31 janvier, 1er et 2 février. Voilà, à la porte de Versailles. Et puis, s'ils veulent acheter leur billet en ligne, ils peuvent. Okay. Parce que là, dehors, il fait très froid. Là, pendant que j'étais en train de vous attendre, il fait froid. Donc, vaut mieux acheter les billets en ligne pour deux raisons. C'est moins cher et puis ça vous évite de rester dans le froid. Et le site, c'est Sagasdom, sagasdom.com. Et puis, je donne le numéro s'ils veulent. Bien on ne sait jamais. S'ils veulent me contacter, ils pourront m'appeler au 06 43 56 55 55. C'est Babette de Rosière. Oui. On tombe sur vous directement. Oui, exactement. Ah, d'accord. Okay. Ah ben moi, je n'ai rien à cacher, moi. Quelqu'un ben oui. Il y a une charmante dame qui rentre dans le studio. Morpezzo. C'est qui? Bonsoir. Morpezzo, comment vas-tu? Ça va, merci. La nouvelle chroniqueuse de l'émission. Merci. Elle est timide. Pour l'accueil et je suis ravie d'avoir rejoint l'équipe ce soir. Ah, ben, c'est sa première chronique. Oui. C'est super, 2020. Bravo. Quel âge as-tu? J'ai 31 ans. Oh, bah, oh, bah, elle se cache son jeu, elle. Oh là 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 là. Elle cache son jeu. En fait, elle ressemble à un petit bébé de 18 ans. C'est vrai, en plus. Ben non. Merci. Non, c'est vrai, c'est génial. 30 ans, mais on dirait un bébé de 18 ans. C'est trop mignon. C'est trop, trop mignon. Si elle était blanche, elle aurait rougi comme une tomate. Là. Bienvenue. Oui. Merci, merci. Je sais que ça a été difficile. Les grèves ne sont pas totalement terminées. Effectivement, non plus, j'ai été surprise de trouver la ligne 12 fermée. Ils ont dit qu'elle comptait réouvrir pour 22 heures. Maintenant, ils n'ont pas annoncé la cause. Mm-hmm. Mais pourquoi ça? On paraissait que c'est terminé, ces grèves. Oui, mais apparemment, il y a des nouvelles perturbations qui arrivent là. La routine Babette. Parisienne. Quoi. Oui. Justement, pourquoi Babette? Pour les gens qui ne le savent pas non plus. Moi, c'est Elisabeth. On m'a toujours appelée Babette. Depuis toute petite. Ouais, on m'a toujours appelée Babette. Ah, mais c'est un prénom, Babette aussi. C'est un prénom, oui, mais moi, c'est Elisabeth. Ah, c'est peut-être le diminutif. C'est Elisabeth, devenu, Babette, je pense aussi. Voilà. Et moi, de toute façon, moi, j'ai pas de nom, j'ai un prénom. Quand tu dis Babette, tout le monde sait. C'est vrai, Babette. Ouais, et je préfère d'ailleurs. C'est plus proximité. On dit Babette, tout le monde sait. Tout le monde sait que c'est Babette. Voilà. Une proximité. Donc, début 2020, on a le salon. Alors, on parlait du salon que Babette a fondé, le salon de la gastronomie des Outre-mer de la francophonie qui va avoir lieu là à Port de Versailles les 31 janvier, 1er et 2 février. Félicitations, Babette. Merci. C'est pour vous que j'ai créé ce salon. Ah, bah, enchantée, avec plaisir. Pour mettre en avant notre culture. Bien sûr, je m'y rendrai avec plaisir et je fais une chronique aussi avec plaisir. Eh ben voilà, parce qu'il y a justement pour le média, il y a tout. D'accord. Il y a Sud Radio, il y a France O, il y a OM5 TV, il y a plein de. Oui, il y a plein de radios sur Passe FM, Tropic FM, ils sont tous. Alors moi, je fais les choses bien à l'entrée. Si vous voulez venir, vous venez, je vous fais un petit studio, vous venez. Merci, avec plaisir. Bien sûr, si vous voulez venir, vous venez. Est-ce que vous donnez les recettes de grand-mère? Les ficelles de la gastronomie. De toute façon, même ici, on n'a jamais considéré les femmes comme des vrais chefs, mais il y a eu des mères qui ont été étoilées. Ça a commencé comme ça, les mères Brasier. C'était des femmes chefs. Ici. Ah, d'accord. Des femmes chefs. Bon, on ne les appelait pas chefs, on les appelait des mères. Parce qu'au départ, il faut savoir que la femme, elle était là pour procréer et faire la cuisine. Mais c'est fini, ça. C'est terminé. Mais c'est tellement vrai. Alors, il y a une enseigne qui s'appelle à la mère de famille, par exemple. Et voilà. Avec le nous, mère, on est tout terrain maintenant. Vous êtes battus. Hein. Vous êtes battus. Ouais. Maman, je me souviens que le premier syndicat, on a essayé en 80, on a essayé de monter un syndicat de femmes chefs cuisinières. Mmh. Et je sais que la présidente s'était rapprochée
de l'Association des hommes. Je ne dirais pas quel syndicat. Et le président a répondu qu'on n'acceptait pas des femmes dans son, voilà, ce syndicat. Période obscure. Voilà. Mais ça mérite carrément un sujet d'émission parce qu'on est toujours dans ces inégalités. Hein, maintenant, ça, attention, maintenant, on est dans la place. Hein. Nous, les femmes, on est dans la place. Un peu plus. Un peu plus, mais il y a beaucoup de femmes maintenant qui s'intéressent à la cuisine. Il faut dire aussi que la cuisine, on considérait que ce n'était pas un métier. Les gens, même moi, c'est quand vrai. J'ai dit que je ferais le métier de chef, oh là là, c'est pas un métier, tout ça. Moi, en tout cas, ministre, un jour, chef toujours. Voilà. Bah, alors, je préfère être chef. C'est vrai que dans le temps, c'était plutôt les femmes qui cuisinaient. À la maison. Mais les femmes, femmes ont toujours cuisiné. Mais c'est les hommes qui étaient étoilés chefs, enfin, quand ils se lançaient dans la cuisine. Et maintenant, il y a les femmes aussi, et nous sommes très heureuses d'être en la place. Et puis, les chefs sont très contents de nous avoir. On est complémentaires. L'expérience vous a donné raison, j'ai envie de dire. Vous avez, vous avez des générations et des générations d'expérience par rapport aux hommes. Quoi. Non, mais la cuisine, c'est tellement un beau métier. C'est tellement un beau métier. Moi, j'ai une amie qui est présidente des Toques françaises. Elle n'est pas cuisinière, mais elle fédère tout ce petit monde d'hommes chefs. Ouais. C'est vraiment je dis, une petite bout de femme comme ça. Elle a tous les chefs dans ses mains comme ça. Ah ouais. Mais quoi de plus beau que de nourrir les gens qu'on aime. Ah mais c'est ça mon métier. C'est un métier qui où on fait du bien, on donne du bonheur. On travaille. Un chef ne travaille pas pour lui. Le chef il travaille pour les autres, pour donner du bonheur aux autres. Souvent les chefs mangent vite fait dans un coin de table un plat vite fait. Le chef son plaisir c'est de voir comment on déguste, comment on partage son plat, comment l'assiette arrive essuyée. Voilà, les sourires. C'est ça qu'on aime. C'est ça. Et puis un chef ne cuisine, c'est pas la routine. Un chef cuisine pour chaque client. Parce que les gens ont tendance à oublier ça. Chaque client a droit à sa petite déco, sa petite cuisine, on chouchoute son assiette et tout. Ah oui. Pour chaque client. Voilà. On n'est pas à la chaîne. Une partie de... Chaque assiette est considérée chouchoutée, bichonnée. C'est un métier plaisir. Beau, hein, c'est un métier plaisir. C'est vraiment un métier plaisir. Voilà. Je rappelle une fois de plus donc, le salon Sagaz d'Homme, 31 janvier, 1er et 2 février, donc, où vous allez retrouver les meilleurs produits, producteurs, agriculteurs, restaurateurs. Voilà, les transformateurs. Les transformateurs des Outre-mer. Tout ce qui se boit, tout ce qui se mange, tout ce qui se fait de mieux d'ailleurs en Outre-mer. Et j'ai demandé à chaque région de créer aussi et de montrer leurs plats emblématiques. Parce qu'il faut savoir, quand on va en Guadeloupe, Martinique, Guyane, etc., on ne mange pas du tout la même chose. On a de chaque région, on a notre façon de cuisiner les mêmes produits d'ailleurs, mais c'est notre culture s'exprime dans l'assiette. Et c'est ça que je vais montrer. En Guadeloupe, quel est le plat emblématique ? Alors, le plat emblématique de Guadeloupe, c'est le colombo, parce que, parce que pendant l'esclavage, il y a eu des Indiens qui sont venus là-bas avec... les Indiens, alors le colombo indien, c'est le plus top. C'est ça. Mais comme nous sommes dans une zone poissonneuse, on aime le bon courbouillon de poisson. Et c'est mon plat que j'aime, le courbouillon de poisson avec le fruit Vivano. À pain. Bon Vivano. Et vous savez ce que c'est que le fruit à pain ? Oui, ça, je connais, par contre. Quand même. Tu me rassures. Quand même. Et toi ? Oui. Ah, bon, d'accord. Je connais très bien, moi, la Caraïbe. Il y aura le fruit à pain aussi. Ça, c'est bon. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils viendront connaître. C'est à la fois un légume et un dessert. On pousse les baguettes. Il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de découvertes. Il y a vraiment très mal le fruit à pain qui se conserve très mal, malheureusement. Mais vous savez, chez nous, on dit « Nom, c'est fruit à pain ». Non, et femme, c'est châtaigne. Oh. Ah bon ? Ouais, c'est mignon. Hein. Tu ne connais pas ça ? Femme, c'est châtaigne. Ça veut dire quand la châtaigne tombe, ça repousse. Ah, bien, mais quand le fruit à pain tombe, ça s'éparpille et ça ne repousse pas. Oh là là, c'est féministe. Je ne l'avais pas compris comme ça. Je ne l'avais pas imagé comme ça. Alors, femme, c'est châtaigne. Non, mais c'est fruit à pain. C'est inventé par une femme, ça. Ah, j'en sais rien. C'est la réalité. C'est très imagé. Oui. C'est très imagé. Alors, après le salon en 2020, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet ? Moi, je suis en train de développer mon salon à l'international. Parce qu'il y a l'ambassadeur du Qatar qui est venu me voir pour me demander si je pouvais transporter ce salon au Qatar. Donc, je suis en train de regarder ça. Et puis, j'ai envie aussi d'aller aux États-Unis. Puisque lorsque j'ai fait à l'ONU le repas des chefs d'État pour les 70 ans de l'ONU, on a failli me garder pour faire la cuisine créole. Donc, évidemment, je ne pourrais pas. Mais je pense très sincèrement aller à New York avec mon salon.
Parce ça, que c'est une super idée. Oui. Parce qu'il y a le, mon salon a sa place justement à New York et mon salon aussi a sa place à Dubaï. Mm-hmm. Parce qu'on m'a demandé ça aussi. Ah, ça, ça va être super. Donc, mon, 2020, je travaille avec une femme qui, dont c'est le métier. Et on travaille pour pouvoir transporter notre culture des ultramarins. On espère. Un peu partout. Mais on l'espère. Voilà. Pourquoi l'italien va partout, le chinois il va partout, nous aussi. Bien sûr. Voilà. Mais c'est pas la dernière, c'est pas la première fois que vous allez à Dubaï. Il me non. Que vous étiez déjà allé. Installé. Ouais, installé, il me semble. Ah oh bah j'ai fait plein de choses. Mais c'est bien Dubaï. Dossiers. Pourquoi tout le monde va à Dubaï? Parce que ah moi je suis allé à Dubaï avant que Dubaï se développe comme ça. Hein. Ouais. Maintenant j'y vais plus d'ailleurs. C'est quoi le comment dire la, j'ai vu la. Moi je suis allé par curiosité la première fois parce que je voyage beaucoup. Ouais. Donc, je voyage beaucoup, je suis allé à Dubaï, je suis allé à Mascate, à côté, je suis allé à Abu Dhabi. Je voyage beaucoup, moi, en Australie, partout. Je suis curieuse, j'aime beaucoup voyager parce que j'apprends beaucoup de choses. J'apprends d'autres cultures et puis surtout la gastronomie m'intéresse parce que quand je voyage, la première chose que je fais, c'est d'aller dans les cuisines et voir un peu le plan emblématique du coin. Donc ça m'apporte beaucoup, c'est très enrichissant. Et puis quand j'arrive ici, je fais des mariages, des métissages. Voilà, donc je voyage beaucoup, mais je suis gourmande aussi avant tout. Donc je vais dans les marchés... Je ne passerai pas dans un pays sans aller au marché, sans aller voir un chef authentique pour lui dire « explique-moi un peu ce que tu fais ». Tu rentres dans les cuisines. Qu'est-ce qui change en fait à Dubaï pour les produits? Il y a tout, figurez-vous. Ben oui, je me doute. Tout oui. On trouve tout. C'est étonnant. Hein. C'est vrai qu'il y a tout. On trouve tout. C'est comme à Rungis, là. On trouve tous les produits dans le marché. C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas comment ils font. Sauf du porc. Il faut tout venir. Ah non, pas de porc. Ben non, mais à part ça, même le boudin entier, on peut le faire avec du poisson. Évidemment, ah, monsieur, recyclez-vous, là. Du poisson, du lambic, coquillage, crabe. Voilà, la cuisine évolue. Oui, exactement, la cuisine s'adapte et évolue. Bien sûr. Bon, je vais devoir vous quitter parce que j'ai encore une autre émission que je vais faire. Exactement, donc merci vraiment et je suis très contente d'être passée vous voir, vous les jeunes. Merci d'être venue à IRM. Et c'est une radio des jeunes. Oui. Et vous m'avez accepté? Non, on va dire 15-35 ans, mais c'est une radio. Jeune, 15-35, c'est jeune. Jeune. Et jeune. Mais tout le monde vient chez IRM.radio. Où est-ce qu'on peut retrouver? Attends, juste, où est-ce qu'on peut retrouver votre cuisine? Bah, où est-ce que c'est là-bas? La cuisine? Oui. À la case de Babette. À la case de Babette. À la Mole. Ouais. Dans les Yvelines. Non, c'est pas la Mole. Non, c'est pas ça, c'est ça. Alors, à la case de Babette, de rue Saint-Vincent à Mole, Emmanuel. C'est ça, dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Très bien, merci beaucoup Babette. Nous, on va faire une pause musicale et on se retrouve après pour la suite de l'émission. Et je vous laisse votre casque. Merci Babette. C'est un plaisir Babette. En tout cas, merci à vous. Vive les jeunes, continuez, profitez. Merci. Vivez. Rendez-vous au salon. Rendez-vous au salon. Préparez les assiettes. On fait une pause musicale, on écoute The Verbeat. Alors, rendez-vous au salon et je vais vous donner deux petits trucs que j'ai apportés pour vous. Ah, c'est adorable, merci Babette. C'est ça. Yeah.
êtes sur IRM.radio et c'est IRM Détox ce soir. Nous étions avec notre invitée Babette de Rosière qui est partie. Et donc, n'hésitez pas à aller faire un tour au salon donc Sagas Dom, ça s'appelle. Hein, le salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie. Mopreso nous a rejoints, comme vous l'avez entendu. Et nous allons enchaîner avec Monsanto, parce qu'on voulait parler de Monsanto dans cette émission spéciale alimentation, n'est-ce pas ? Mm-hmm. Monsanto, nous en a tous au moins une fois entendu parler. Le plus connu, bon, il y a d'autres firmes, mais bon, oui. Monsanto le plus connu. C'est ça. Ouais. Mopreso, tu peux nous dire ce que c'est, en fait, pour ceux qui auraient vécu dans une grotte, j'ai envie de dire. Monsanto, alors, qu'est-ce Monsanto, que c'est géant du grand banditisme agroalimentaire. Enfin, c'est quand même une entreprise qui est fondée maintenant depuis plus de 117 ans par monsieur Jean-Francis Queenie. C'est aussi... Ils ont été rachetés, d'ailleurs. Ils ont été rachetés, oui, pardon, il y a 3 ans, pour 59 milliards d'euros par le groupe allemand Bayer, qui, lui, pour le coup, est spécialisé dans les pesticides et figure en tête du classement, donc, des entreprises les plus détestées de la planète. Exact. Les médicaments, donc, les pesticides. Voilà, scandale en tout genre, les maladies, les malformations. Pour résumer, Monsanto, rien qu'en 2017, c'est 3 milliards de dollars de bénéfices, 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 48 milliards de dollars à la bourse. Voilà. Donc déjà, rien que pour donner une idée... Il faut les suivre, alors. Pardon. Attends, c'est des gagnants. C'est des grands gagnants de la mondialisation. Est-ce que tu sais comment on gagne aussi dans cette société? En faisant ça. En achetant le poison et l'antidote. On a toute la chaîne. Voilà, la formule est simple. On ne manque plus qu'à acheter le cimetière après. Oui, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu le panneau où il y a... C'est une espèce de panneau publicitaire, une espèce d'image qui passait sur les réseaux sociaux où il y a marqué cabinet médical, ensuite pharmacie et ensuite cimetière. Voilà. Donc, je ne sais pas, sans vouloir faire de mauvaise presse à l'industrie de la médecine, je trouve ça quand même un petit peu... C'est bien, maîtriser toute la chaîne, quoi. C'est le Monopoly, quoi. On a un peu toutes les cases. Ce cynisme, maîtriser toute la chaîne. Ouais, c'est du commerce, hein. Alors, donc, Monsanto, précurseur des OGM et qui détient 30% du marché mondial des OGM, donc, pardon. Et comme je vous disais, j'ai fait un petit zoom sur tous les scandales les plus sanglants du siècle dernier. Mm-hmm. Explosion, malformation en tout genre, cancer. L'évolution chronologique, plus ou moins, on va dire, en 1935... Déjà, il y avait un scandale autour des PCB appelés pyralène. Ce sont les huiles chimiques qu'on trouve dans les transformateurs électriques. Mmh. Et donc, c'est des toxiques qui seront déversés dans les océans et les rivières pendant des décennies sans qu'on puisse rien en faire et sans que personne ne dise rien. C'est des toxiques qui, en 10 secondes, vous tuent le poisson et on a l'impression que ça pisse le sang et on a l'impression qu'il est bouilli vivant, quoi. Oh. Donc, pour vous dire la puissance, la dangerosité de la toxicité, quoi. Et donc, bon, des déchets chimiques, pardon. Oui. Ok. C'était Monsanto qui avait la charge justement de fabriquer ces huiles, etc. Ben oui, ils ont des usines un peu partout. Il y a eu, il y a même eu des employés qui ont été touchés à force de manipuler justement les produits, notamment. Oui, toxiques. Hein. Oui. Et il y en a qui ont contracté des vraies maladies. Par exemple, je sais qu'en 1947, il y a eu l'explosion d'un cargo français qui transportait des nitrates d'ammoniac, qu'on appelle communément les engrais. Et ça aura causé quand même la mort de 500 personnes. Ah oui. 2 années plus tard, une nouvelle explosion en Virginie, avec une centaine d'ouvriers cette fois-ci, qui développent des chloracnés. Donc la peau, en fait, elle fait des excroissances, elle est abîmée, elle est séchée. Et donc, tout ça, c'est causé par une forte exposition aux dioxines. Et donc, 33 années après, j'ai eu aussi l'évacuation d'une ville entière, toujours à cause de cette même dioxine, Times Beach, dans le Missouri. Et donc, ici aussi, c'est des inflammations cutanées, des douleurs inexplicables, des membres aux articulations qui sont affaiblis, de l'irritabilité, de la nervosité, voire de la baisse de la libido.
Donc, pour vous dire à quel point ça va loin. Et malgré les notes internes qui prouvaient quand même que ben, l'entreprise n'était pas si clean que ça, et ben, y a rien qui a pu être fait, en fait. Elle continuait à dissimuler les vraies preuves. Mais plus tard, elle aura quand même fini par indemniser ses employés, tant bien que mal. Le dernier scandale en date, c'est Monsieur Dwayne Johnson, un Américain d'une quarantaine d'années, 46 il me semble, qui a été donc tellement exposé parce que c'est un jardinier de profession, avec, il me semble que c'est le Roundup, là, un produit... Roundup. Ouais, qui est, c'est le chloro... Enfin... Mince. Mais non, c'est pas un long mot. Non, mais c'est vrai qu'on le connaît. Le glyphosate. J'arrivais plus à le glyphosate. Glyphosate qui est contenu dans le Roundup. Et il a été tellement au contact en fait, de la dioxine qu'il a fini par tomber malade. Et il aura finalement gain de cause avec une rémunération et des dédommages à hauteur de 290 000 euros. Millions de dollars, ouais, il me semble. En millions de dollars. Et me semble-t-il que. Il y a eu 18 400 plaintes contre le glyphosate aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis. Donc ça fait beaucoup de personnes à indemniser, hein, si jamais ça arrivait au bout. Oui, ils ont les moyens. La personne là dont tu parles, enfin comment dire, Dwayne Johnson. Dwayne, voilà. Me semble-t-il qu'il a attaqué aussi une autre entreprise. Non. Je ne sais pas si tu avais eu l'info. J'ai pas eu l'info. C'est pour ça que ça m'a fait penser à quelque chose, notamment à le truc féministe. Lequel? Un mouvement féministe en français, France. Il y avait États-Unis et il y avait France. C'est partout. Avec Weinstein, Balance ton porc. Oui, okay, voilà. Ou la personne qui a balancé Balance ton porc, en fait, a été condamnée en fait, derrière pour la personne en fait, qu'elle attaquait derrière. Oui? Et elle a perdu à l'arrivée. C'est un peu pour ça que je pensais à ça, pour Dwayne derrière. C'est-à-dire qu'il gagne effectivement avec Monsanto, mais avec son avocat, il a attaqué, me semble-t-il, une deuxième entreprise. Mm-hmm. Voilà, c'est pour ça que ça m'a fait bizarre en fait, là-dessus, parce qu'il a quand même gagné pas mal et que c'est des procès en fait, à répétition. Et souffrir autant pour aller chercher en fait un chèque et en tout cas souffrir pour faire un nouveau procès, c'est assez compliqué, quoi. C'est vrai, voilà. Que c'est déjà lourd, ne voilà, serait-ce qu'un seul lourd. Procès. Mais déjà, il n'est pas le seul, hein. Il y en a encore qui se font indemniser, notamment, déjà, rien qu'avec l'agent orange qui avait été déversé par les USA au Vietnam pendant la guerre, ça avait provoqué plein de malformations, en fait. Et du coup, jusqu'à... Les 10 dernières années encore, il y en a qui se faisaient encore indemniser, notamment des vétérans, des anciens combattants américains, des Sud-Coréens. Enfin, ça a touché tout le monde, en fait. J'ai aussi dire que dernièrement, il y avait eu une espèce d'aubergine qui était un peu bizarre, justement, en Inde, et qu'eux aussi, ils avaient été touchés par Monsanto. Donc, c'est une prolifération, finalement. Et malgré comment dire, des gens qui essayent de se lever en faisant de la non-violence par des marches, par des actions non-violentes. Mais enfin, ça a des impacts, pas. Mais bon... Faible, très faible. Voilà, c'est pas vraiment... Proche du néant. Malheureusement. Les marches, vrai, les marches ou les protestations, ça n'a aucun poids. Enfin, on peut marcher, ils nous font marcher, quoi. Et puis, je ne sais pas si on peut aussi s'interroger sur le fait que vraiment, il soit vraiment présent partout, notamment avec cette fusion maintenant qui le fait gagner aussi du terrain en Europe. Bah déjà, ça se voulait une société internationale. De base. Monsanto qui s'autodéfinit comme internationale, qui a fusionné avec Bayer. Mm-hmm. Donc, que Bayer a acheté. Enfin, oui. Ouais, c'est, pour le coup. Donc, ça étend encore le rayon d'action. Complètement. Qui était déjà... international, distribution internationale. Donc c'est vrai qu'on pourrait, dans un raisonnement un peu complotiste, on a les pesticides d'un côté qui fusionnent, donc qui sont rachetés par le laboratoire pharmaceutique. Donc on a le poison et le médicament. Mmh, c'est ça. Fait une bonne petite chaîne, quoi. Et puis ils sont assez bien armés et bien organisés, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont créé une espèce de société de communication qui s'appelle Agriculture Liberté.
Liberté, pardon. Et donc, c'est... Ils sont des avocats qui passent dans les gouvernements des pays, notamment. On a eu Christine Lagarde au ministère de l'Agriculture en France. Mm-hmm. Je crois que c'était sous le mandat Sarkozy. Christine Lagarde, qui était avocate américaine pour le cabinet McKenzie... comment j'ai appelé Baker & McKenzie, mm-hmm. et dont le client principal était Monsanto. Voilà, donc avocate pour Monsanto, elle est passée au ministère de l'Agriculture. Ah oui. Puis au FMI. C'est pour ça que je dis que c'est les grands gagnants. Ouais, c'est les grands gagnants. Il faut être grand gagnant. Absolument officiel. Bon, on pourrait gratter et voir un petit conflit d'intérêts. Comment de avocate de Monsanto, on se retrouve l'année suivante au ministère de l'Agriculture. On pourrait éventuellement dire que c'est peut-être Monsanto qui aurait graissé un peu la patte pour la faire élire. Est-ce qu'ils auraient eu ce pouvoir? Mais en tout cas, c'est vrai que... Ça tomberait. Ce serait un sacré tour de passe-passe, de magie. Ils ont le pouvoir, je ne sais pas. Non, oui, non, non, c'est pas je ne sais pas. Un miracle. C'est plutôt... Non. C'est ils sont proches aussi de certains gouvernements. Notamment celui des États-Unis. Pas faire le rapprochement. C'est un exemple. Mais bon, c'est l'exemple Christine Lagarde, c'est parce qu'on est en France, etc. Mais c'est pareil dans les autres pays. Voilà. J'ai entendu que Monsanto a acheté un brevet en 2009 sur des espèces génétiquement modifiées ayant une forte tolérance à l'aluminium. On a abordé le sujet la semaine dernière. On en a parlé un petit peu. Voilà, mais ça, c'est absolument officiel. Il y a un brevet sur des espèces génétiquement modifiées sur la tolérance à l'aluminium. Alors, on peut se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi la tolérance terre, à l'aluminium? Le sol n'étant naturellement pas constitué d'aluminium. On peut se poser des questions. Et bon, c'est un brevet officiel qui a été déposé en 2009 par Monsanto. Voilà, bon, il y a peut-être des événements à venir. À voir. Et pourtant, côté info aussi, concernant la France, en tout cas la France, d'après le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, justement, qui disait l'année dernière que la France sera le premier pays au monde à faire la transition agroécologique et justement quitter le glyphosate. Donc c'est plutôt une bonne chose. Oui, il me semble qu'il est censé être exclu par l'OMS au niveau des agents qu'on peut utiliser d'ici 2021. Mais moi, je ne comprenais pas justement les délais de traitement pour quand c'est prouvé, avéré, qu'il y a eu des morts. Je ne comprenais pas en fait. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, la production agricole actuelle, elle peut nourrir quand même plus d'une fois et demie le nombre d'habitants que nous sommes sur Terre. Donc, si on essaye de... Enfin, bon... Ça, c'est la version officielle qui permet de vendre les OGM que pour nourrir tout le monde, on est obligé de traiter génétiquement, ce qui est faux. Hein, c'est un mensonge absolu. Mais... Voilà, moi, je pense qu'on peut, sans le faire génétiquement, on a suffisamment de ressources naturelles pour être... C'est pas dans les années à venir, c'est pas forcément ce qu'on nous dit. Non, parce que j'ai préparé ça. La population va doubler et justement, il y a certains arguments qui feraient penser que non, on n'a pas assez pour nourrir la planète et qu'il faudrait justement d'autres solutions. D'ailleurs, j'en ai une. Mais c'est quoi? Tu veux faire quoi? La population ne double pas. Si, la population normalement doit doubler. Donc imagine, on est 7 milliards. On est 7 milliards. Ouais. Ah oui, non, là, je vous invite. Alors, si vous ne connaissez pas, il y a un site qui s'appelle Worldometers. Et en fait, on voit en temps réel différents compteurs. Je fais une petite parenthèse là-dessus, du nombre, par exemple, de naissances. Et dans peu de temps, on va passer déjà à 8 milliards. Donc, ça va très, très vite. Tu vois, le nombre de naissances, en fait, sur Terre. C'est fiable, mais y a pas que tu penses? Worldometers, je pense, regarde. Ouais. C'est un peu... Des choses qui, ouais, comme la croyance populaire voudrait qu'on vive plus vieux. J'entends souvent les gens dire « Ah oui, mais maintenant, on vit plus vieux qu'avant, etc. » Et beaucoup de médecins ne sont pas d'accord. Il y a beaucoup moins de centenaires aujourd'hui, par exemple, que dans les siècles passés. Il y a moins de centenaires. Ouais. Alors, c'est toujours pareil. Je pense qu'on n'a pas forcément non plus les mêmes infos. Ça dépend des sources. Ouais. Puisque, par exemple, il paraît qu'on nous fait beaucoup peur, justement, avec les pesticides et tous les produits cancérigènes, alors qu'il semblerait que le nombre de personnes atteintes de cancer recule en France. Depuis quand? Depuis quand? Cette année, par rapport à l'année précédente. Mais pas depuis un siècle. Durée de vie... Mais moi, est-ce qu'on peut vraiment quantifier tout ça? Je voulais vous parler de la viande 2.0, ça vous parle ou pas? Je ne sais pas si vous avez envie de manger de la viande synthétique. De Frankenstein. Ah, vas-y, parle-moi de ça, j'ai entendu ça, mais je n'ai pas eu toute l'information derrière. En fait, quand est-ce que ça se lance? Mais ça existe déjà, mais en tout cas d'ici à 5 ans, donc attendez-vous à manger de la viande cellulaire. Alors, il y a plusieurs noms. Viande cultivée, viande synthétique, viande artificielle ou clean meat, donc viande propre. Et en fait, le principe... Oui, viande c'est le dernier. Oui, non, c'est le dernier. Le dernier, je savais que ça allait se faire. Mais maintenant, c'est pas ça, c'est qu'il faudra changer le nom, quoi qu'il arrive, parce que pour l'instant, c'est pas... Oui, mais même les autres adjectifs, il n'y en a aucun qui me dit, tiens, j'ai envie d'acheter ça, quoi.
Non, je t'avoue synthétique, que pour l'instant, on n'a pas vraiment trop envie de manger de la viande synthétique. C'est pas catchy. Alors, une salade synthétique, ça t'intéresse? Non, pas encore. Voilà, tu vois. Mais pour fabriquer de la viande synthétique, on prélève des cellules sur les muscles des animaux. Qui sont fabri- et donc, c'est fabriqué in vitro. Mais ça pose un deuxième problème, c'est que c'est censé être de la viande propre, soi-disant, alors qu'ils ont besoin d'un sérum nutritif qu'ils prélèvent sur des fœtus d'animaux. Mm-hmm. Donc déjà, ça va, enfin, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, le premier steak qui a été fabriqué en laboratoire issu de cellules musculaires de vaches a été présenté en 2013 par un chercheur de l'université de Maastricht qui s'appelle Marc Post. Et le premier steak donc de laboratoire devrait arriver dans nos assiettes, puisque tu posais la question, Arnaud, en 2023. Oh, la chance. Alors que ça fait depuis 42 ans en fait, qu'ils font des recherches là-dessus. Puisque bon, il y a quand même un coût de fabrication de 250 euros pour un steak et ils pensent vendre le steak 50 euros. Ouais, là aussi, non, mais là, c'est expérimental. Improbable. C'est improbable. Ouais, c'est parce que c'est expérimental. Mais après, sur la quantité, ça va donner un steak à 20 centimes. Imagine. Coût de revient 2 centimes le steak, quelque chose comme ça. Bien sûr. Ouais. Mais c'est bon. Est-ce qu'on peut appeler ça de la viande? On appelle ça de la viande, c'est, malheureusement. C'est des cellules reproduites artificiellement. Après, ce qui est important, c'est le goût, finalement. Qu'est-ce que ça donne? Je pense que c'est un problème d'un point de vue gustatif et gastronomique. Je pense pas que le compte y sera. Niveau goût, avec les bons produits, tu verras pas la différence. Mais alors, dans ce cas-là, tu produit. Non, mais avec les bons produits chimiques, je veux dire, t'auras le goût. Alors, là aussi, c'est très paradoxal, puisque comme le rappelle justement, c'est Romain Leboeuf qui est boucher meilleur ouvrier de France. Romain Leboeuf, oui, il s'appelle Romain Leboeuf. C'est bien son nom. Changer de nom à l'arrivée ou pas? Non, il ne change pas de nom. Et il a raison de rappeler que la vraie viande est un produit naturel qui est non transformé. Et à une époque, et c'est vrai, on est dans une époque où justement on veut manger plus sain, plus naturel, pourquoi aller vers une viande synthétique bourrée de colorants, d'additifs, fabriquée in vitro? 2023, c'est demain, on est en 2020. Ouais. Non, parce qu'on est dans le transhumanisme absolu. On en parle beaucoup dans l'émission de transhumanisme. Oui, y a pas mal d'associations où ça commence à poser des problèmes de déontologie, la culture intensive agricole, etc., les élevages. Et ça pose aussi des problèmes environnementaux, en tout cas pour ceux qui sont pour cette viande synthétique. Ils avancent des arguments qui ne sont pas forcément faux, puisque effectivement, ça consomme moins d'eau, moins d'énergie fossile, moins de surface cultivée pour nourrir le bétail, et on réduirait aussi l'abattage des animaux en produisant de la viande synthétique. Et l'autre grand argument, c'est que c'est ce qui nous permettra effectivement de nourrir la planète, puisqu'on va doubler de population et qu'on n'a pas assez pour nourrir, malgré ce que tu disais. Et c'est pour ça que je dis qu'effectivement, au niveau des informations, on n'a pas forcément... Les mêmes panels, etc. Non, c'est sûr. Ouais, mais en tout cas, je comprends leur argument, que ça servirait à nourrir la planète. Ça intéresse aussi la NASA, puisque de toute façon, dans l'espace, tu ne vas pas emmener un bœuf, donc de la viande. Pour la conquête spatiale. Oui, aussi. Ouais, après, au niveau du goût, sincèrement, je n'aimerais pas goûter. Oh, si, tu pourrais au moins goûter justement pour savoir ce que c'est, au moins une fois. Et ce qui serait intéressant d'ailleurs pour avoir cette réticence, c'est de dire tiens, voilà, ça c'est le steak, ça c'est le truc synthétique, est-ce que tu pourras faire la différence? Et ça pourrait être drôle. Faire le test à l'aveugle, pourquoi pas? À l'aveugle, ben oui. Et dire réellement, en fait, quel goût ça a. Est-ce que ça change ou pas? Certainement, bah si. Oui, mais dans ce cas-là, par rapport à ce que tu as dit, ah non, moi je veux absolument pas ça. Et puis finalement, tu vas te rendre compte que c'est le même goût, que tout est préparé pour faire en sorte qu'on mange ça. Bah, je ne sais pas. Ça, justement, je voulais avoir l'info là-dessus. Aussi, on peut être frileux. Et quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver en France? En 2023, normalement. En France ou ailleurs? Ah, en tout cas, puisque l'article est français, on va dire en France. 2023. C'est dans pas longtemps. Ah oui, c'est dans 2 ans. 3 ans. Ouais, je me rappelle plus, mais tu vois, j'ai même la chaîne de fabrication, de la Clean Meat. Ah oui, la Clean Meat. Je te montrerai après. Mais... ce qui pose problème aussi, c'est qu'on ne connaît pas les effets sur le long terme, sur la santé. Non, consommer, c'est comme les OGM. On ne connaît absolument pas les effets à long terme sur l'être humain, de ce qu'on consomme. Et les gens sont frileux, et je pense qu'ils ont raison, un petit peu. C'est-à-dire qu'on nous cache les expériences, et on nous sort un produit qu'on n'a pas demandé, qu'on n'a pas été consulté, en fait.
Normalement, il y a des organismes qui sont censés veiller à nos intérêts, comme je te parlais tout à l'heure, ce qu'on appelle le Codex Alimentarius. Oui, voilà, mais ça, j'en parle après. Exact, le Codex Alimentarius. Ouais. Voilà, le Codex Alimentaire. Voilà. Tu veux en parler après ou on peut en parler ensemble, c'est pas un souci, j'avais préparé ça. Qui est désigné comme un livre, mais en fait, c'est une organisation, en fait, c'est une fusion de l'OMS et de l'ONU, en fait. Ouais, les deux en même temps, On est au-dessus du... C'est une centralisation, en fait, du pouvoir qui est censée veiller aux intérêts des citoyens du monde. C'est depuis 1962. 200 pays qui englobent 200 pays du monde. Qui est une commission internationale, un petit peu, qui définit des normes, des directives et des recommandations, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas qu'interdire les abus. On serait en droit d'attendre qu'elle réprime les abus. Non, elle ordonne des choses. Donc, il y a des ordres qui sont donnés, c'est pas que des interdictions. Et donc, c'est une centralisation qui a été validée par l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, qui est liée à l'Organisation Mondiale du Commerce. Les financements sont assez obscurs. Hein. C'est un petit peu comme l'OMS. On parle de cartels pharmaceutiques. On parle de différents financements associatifs et d'organisations telles que l'Institut Rockefeller ou l'association de Bill Gates et de sa femme, l'association Gates, voilà, qui sont devenus le fameux patron de Microsoft, qui est maintenant très engagé dans l'OMS, dans les causes un petit peu, biologiques. Et donc, il y a une partie de ces financements qui viennent de ces gens-là. Mm-hmm. Voilà. Ça peut soulever des questions. Voilà, c'est quand des organismes publics sont financés par des fonds privés, ça pourrait être financé par Monsanto, par exemple. Ça pourrait. dans un raisonnement complotiste. Ouais, ça pose des questions. Et voilà, donc ce qui fait que forcément, les institutions subalternes politiques seraient dans l'obligation de voter les lois de leurs dirigeants. Voilà, donc ça, c'est le Codex Alimentarius. C'est ce qui est censé régir un petit peu les normes, les mesures, etc., mondiales. C'est-à-dire que c'est un pouvoir centralisé mondial. Je pense que c'est important de le comprendre. Il y a un pouvoir centralisé mondial qui définit un petit peu le vivant, l'agroalimentaire, tout ce qui est l'alimentarius. Sachant qu'il y avait 8 pesticides interdits, et qui a été autorisé en fait grâce à ce codex alimentarius. Tout à fait. Voilà. Ils ont tout pouvoir. Ils ont insisté en fait là-dessus. Oui, ils ont tout pouvoir. Pour ça, oui. Ah oui, c'est la plus haute institution mondiale. C'est l'Organisation des Nations Unies quand même. Voilà. Donc tu peux pas contester réellement. Fusionner avec l'Organisation Mondiale de la Santé. Mmh. Avec l'OMS. FAO. Voilà, tout à fait. Ouais. FAO, OMS. Ouais. D'accord. Donc ça aboutit à des lois comme le fameux TAFTA qui était tant dénigré, qui finalement a été transformé en CETA. Tu peux juste nous rappeler ce que c'est ? C'est le traité transatlantique de libre-échange. En fait, pour faire simple, c'est une loi en fait qui empêche les entraves au commerce. C'est-à-dire que un pays, par exemple un pays membre de la communauté européenne, peut être attaqué pour entrave au commerce s'il refuse d'acheter du poulet aux hormones américain, par exemple. En quelque sorte, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Fais entrave au commerce, par exemple le poulet à l'eau de Javel américain. Mais ce n'est pas faire entrave au commerce. Tu peux avoir le choix en fait de choisir ce que tu veux. Après, c'est le juge qui décidera. Il y a une commission qui sera désignée, certainement tout à fait objective. J'ai quelque chose en fait sur le codex. Référence internationale pour la résolution des conflits concernant la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs. Donc, protection des consommateurs. Du commerce. Commerce. C'est la protection des consommateurs, Ils ont dit ça C'était marqué dessus. Après, sur la brochure. Est-ce qu'il faut absolument voir du poulet aux hormones pour la protection des consommateurs? Je ne sais pas. Mais c'est surtout lié au commerce, en fait. Même sur ils ont pas un site officiel, en fait. Le Codex Alimentarius, il n'y a pas un site officiel gouvernemental, etc. Mais c'est plutôt à vocation de gérer tout ce qui est lié au commerce quand même.
Il y a une volonté d'orchestrer commercialement un petit peu les accords. Et donc, comme je disais, ça aboutit au TAFTA qui avait généré des manifestations d'ailleurs. Il faut aller sur le site FAO.org pour avoir un peu plus d'infos sur le codex alimentaire. Il y avait une personne un médecin et scientifique qui a essayé de s'attaquer en fait au codex. Simplement, alors je vais remettre tout dans son contexte. Mm-hmm. Selon lui, effectivement, le codex alimentarius, t'en as parlé Jérôme, il ne sert pas du tout les intérêts des consommateurs, mais plutôt ceux des grandes multinationales, de l'industrie agroalimentaire, de la pharmacie, de la chimie et de la biotechnologie. Il y a une personne qui s'appelle donc Matthias Rath, qui se considère médecin et scientifique dévoué à la recherche pour la santé et le bien-être. Il perçoit les groupes industriels, pharmaceutiques, comme des entreprises principalement intéressées à propager les maladies pour mieux vendre les solutions pharmaceutiques. Mmh. D'où l'idée de voir une tromperie et de fraude et de cartel pharmaceutique. Le problème, quand on regarde le personnage de Matthias Rath, on a l'impression en fait qu'on l'a fait tomber. C'est-à-dire qu'il avait quelque chose. Non, mais il travaillait. Il travaillait en fait avec l'ADN, ou en tout cas avec le VIH aussi. Et on a attenté en fait à son honneur. Oui, il est attaqué en fait un peu partout en fait là-dessus par rapport à ses expériences, mm-hmm. etc. Bon, il continue à travailler, mais en tout cas, il a été attaqué. Et il attaque quand même, entre guillemets, à partir du moment où il a attaqué le Gotex alimentaire, eh bien, à ce moment-là, il est attaqué également de l'autre côté. Il s'est attaqué au Gotex alimentaire. En tout cas, ça discrédite en fait d'extrême droite, comme tout. Ouais, enfin, ce genre de ça, quoi. Oui, ouais, oui, son orientation, quoi. Mais peu importe, après, ce qui est important, ce sont les faits. Et c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'effectivement, le codex alimentaire est tout puissant. Donc, tu peux absolument pas y toucher, quoi. Ouais, et puis on peut voir que de plus en plus sont légiférés et autorisés des neurotoxiques puissants. Des perturbateurs endocriniens. Oui. Ça, la liste s'allonge. Elle ne réduit pas, malheureusement. Plus ça va, plus il y a des... Les endonoriens permissives. On pourra donner une définition, parce que tu parles de sujets, en fait, là-dessus, notamment l'agriculture biologique. Biologique. Je voulais y venir, d'ailleurs. On va en parler après. Parce qu'il nous reste moins d'un quart d'heure. Ah oui, oula, ça va vite. Très vite. Je voulais justement... Oui. Tu parlais de... Par rapport à ce que disait Jérôme, même dans les labels bio, il faut savoir qu'il y a des ingrédients, ils tolèrent des ingrédients qui sont quand même controversés alors que c'est du bio. Grâce notamment à la loi Lagarde en France, la loi Christine Lagarde. Encore elle. Mais elle n'est pas encore présidente. J'en ai pas uniquement. Il reste encore 2 ans normalement. Mais non, mais il faut savoir que Christine Lagarde, au niveau européen, a fait passer une loi qui autorise une quantité, j'ai plus la quantité exacte, d'OGM. Étiqueté bio, c'est-à-dire qu'on peut étiqueter le bio, vous connaissez tous, c'est tous l'étiquette AB, agriculture biologique. Et ben, grâce à cette loi-là, il est autorisé d'étiqueter son produit AB, avec la norme AB, agriculture biologique, avec une tolérance de, je sais plus, 10% d'OGM. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Non, c'est pour ça. Effectivement, voilà. On n'est même pas prévenu, quoi. Et nous, si on ne veut pas consommer ça, les 10%, mais c'est dingue, c'est incroyable. Tu n'as pas le choix. Monsanto, franchement, il est partout, quoi. Bah, et toi, s'il y avait que... Ouais, mais moi, j'avais préparé, en fait, par exemple, les détracteurs du bio. Oui. Parce que là, en fait, on est anti-OGM. Et moi, j'avais préparé l'inverse. C'est-à-dire, pourquoi passer par le bio ? Parce que j'ai vu beaucoup. Et quand on regarde vraiment, ben, on dit, mais quel est l'intérêt, finalement, d'aller dans le bio ? Alors, est-ce que c'est mieux de consommer bio ou pas ? Alors, on a le côté bio, déjà. On a un nouveau mot. Je vais utiliser, ça s'appelle l'éco-religieux. Oh, mais non. Eh oui, on a ça. Tu nous inventes des mots à chaque fois. Une nouvelle expression. Bah, je regarde sur Internet, hop, t'as trouvé ça. Éco-religieux. On se rend compte que, mais on le savait déjà au niveau du bio, on a les classes privilégiées bien pensantes, bien évidemment. Bah oui, tout le monde ne va pas au bio.
dans les bio. Et le côté bio est minoritaire. Par exemple, vous allez dans les centres commerciaux, c'est minoritaire. Mais ils produisent peu, de toute façon. Mais c'est une des raisons pour lesquelles le bio est cher. Il y a peu de production bio. On va en parler. Et ils n'ont pas de subvention, il faut le savoir. Donc forcément, les produits bio sont chers. Oui, donc trop cher et de mauvaise qualité, paraît-il. C'est ce que j'ai pu entendre, que effectivement c'est trop cher, donc ça on le savait, et que ça peut savoir, on peut le savoir que c'est de la mauvaise qualité. Un marché de niche juteux et facilement abordable, composé de baby boomers vieillissants. Ils travaillent. On appelle ça le financement de l'alarmisme. Par exemple. Je vois ce que tu veux dire, le financement de l'alarmisme, mais bon. Et donc, je confirme encore, le bio est quelquefois d'une qualité inférieure, en fait, que la qualité qu'on a. Je ne suis pas d'accord avec ça. Beaucoup de gens ont une approche affective de la nourriture et sa présentation est donc importante. C'est pour ça qu'effectivement, quelquefois, on peut tâter. Entre qu'est-ce que j'ai véritablement envie d'acheter en fait le bio et de regarder le produit parfait en OGM. Et je voudrais continuer parce que insister en fait sur le côté des détracteurs du bio, parce que il faut savoir que aussi seuls 5,4% des terres agricoles sont cultivées en mode biologique en Europe, tandis que le marché des produits biologiques est en croissance beaucoup plus rapide. Oui. Ça favorise aussi le travail des enfants en Afrique. Eh oui. Ça favorise le travail. Ça donne des emplois. Donc. L'accent a surtout été mis sur le travail des enfants dans la production de cacao de l'Afrique de l'Ouest, me semble-t-il. Comment tu fais pour le cacao? C'est eux qui s'occupent de ça. Quel est le rapport avec le bio? Avec le cacao. Disons que tu exploites des enfants dans les pays producteurs de cacao et c'est eux qui sont dans les champs, bio, c'est pareil. Oui, mais en tout cas, le bio, ça fait du travail, oui. T'es en train de dire, tiens, il y a du travail, il y a du travail en plus. Allez les enfants, venez, c'est du cacao, quoi, c'est du chocolat. D'un point de vue éthique, je pense que tu achètes aussi bio parce que tu te dis que d'un point de vue production, il n'y a pas de pesticides, on est d'accord. Il n'y a pas d'OGM, normalement, à la base. C'est à moins impact négatif sur l'environnement normalement, éthiquement parlant, je pense que tu achètes bio, tu ne penses pas que ça fait travailler des enfants. Mais non, mais en plus, déjà, je crois qu'on peut pas dire bio c'est ça et pas bio c'est ça. Chaque produit bio est différent. Concernant le bio, effectivement, ça fait travailler les enfants africains. Mais j'en ai plein des comme ça. J'en ai plein depuis le début pour contester en fait le côté du bio. Le bio utilise plus de terres avec des rendements inférieurs, réduisant la biodiversité. Alors après, je relate, c'est à vous de comprendre. Le secteur du bio utilise des tactiques de lobbying contraires à l'éthique. Ça peut exister, mais certaines marques. Les pesticides, c'est important aussi sur les êtres humains, les pesticides naturels sont toxiques pour les abeilles. Mais les pesticides sont toxiques pour les abeilles, de toute façon. Après, il y en a aussi pour les êtres humains. Les pesticides naturels sont toxiques pour les humains, risque pour la santé de l'ingestion de pyréthrine. On a la recherche ne montre aucune différence de goût, ni pour la santé et la sécurité. Il y a une différence de goût. Si je puis me permettre, dans le bio, il n'y a pas de pesticides normalement. À la base. On n'utilise pas de pesticides dans l'agriculture biologique. C'est le même article, et je te jure qu'il y a à peu près une vingtaine d'arguments. Le travail du sol libère davantage de CO2. La recherche. Est-ce qu'on peut vraiment quantifier? Je peux t'enchaîner et tu pourras constater tout. La recherche anti-OGM, anti-pesticides, est fondée sur une science indigente, militante. Un an de résidus de pesticides est moins toxique qu'une tasse de café. Un an de
Le résidu de pesticides. Celui qui a écrit ça, je lui ferai boire. Montre-moi, boison. Les OGM sauvent des vies. Non. Ça, j'ai pu voir. Le mec dit ça. On va encore nous dire que c'est pour sauver la planète et pour nourrir la planète. Non, mais de toute façon, ils sont dans une espèce d'opération de blanchiment. C'est comme ce que je voulais souligner tout à l'heure quand je disais qu'ils avaient envahi maintenant les salons de l'agriculture avec leur agence de communication, Agriculture et Liberté, avec des hôtesses, donc il n'y a pas plus racoleur, qui vont justement s'adresser directement aux agriculteurs pour essayer de les retourner, de leur faire changer d'avis. Mmh. Ils obtiennent carrément des tribunes dans des... Dans des quotidiens, où maintenant il y a des agriculteurs qui se retrouvent maintenant à démentir et à dire non. Et puis il y en a un qui avait été interviewé par envoyé spécial, il ne savait même pas quoi répondre quand on lui demandait mais pourquoi, malgré la preuve comme quoi c'est bien toxique, pourquoi vous continuez ? Il dit, bah non, ça a été démenti. Donc, si ça a été démenti, c'est que c'est vrai, mais il n'y a pas de preuve. Après, même au niveau de l'INRA, en fait, moi, je connais des gens qui travaillent à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Et beaucoup de chercheurs sont de bonne foi. On leur a inculqué que les OGM ne posent aucun problème pour la santé, etc. Ils sont de bonne foi. On dit, non, les OGM, mais personne ne peut prouver que les OGM ne sont pas dangereuses pour la santé parce qu'on n'a aucun recul. Sur les générations. Mais on n'a pas de recul. Et j'ai eu des discussions avec des chercheurs de l'INRA et qui sont de bonne foi, qui me disent non, des études démontrent que. Mais ils n'ont pas fait eux-mêmes les études. Voilà, on leur a dit que. Ils n'ont pas fait les études. Ah bah, j'ai lu une étude, c'est les produits bio augmentent la susceptibilité au cancer. Mais non. C'est le petit. Bio, en fait, ça ne veut plus dire grand-chose. C'est est-ce qu'on parle de vrai bio ou de l'étiquette AB ? Voilà, déjà, c'est pas ça. La même chose. C'est vrai que là, on n'aura pas du tout le temps d'en parler, mais il y a un business aussi derrière les labels et les chartes bio que tu payes et qui coûte très très cher. Voilà. Et comme je disais, qui laisse aussi passer, merci Christine Lagarde, de plus en plus de produits, soit toxiques ou en tout cas controversés. Mmh. Et on ne peut pas se fier juste à l'étiquette sur les produits bio, malheureusement. Voilà. Exporter des idéologies anti-technologie vers les pays économiquement faibles est immoral. Tout ce que je dis depuis le début en fait contre le bio en fait entre guillemets est sourcé, c'est-à-dire que j'ai dit il y a à peu près au moins une vingtaine voire une trentaine d'arguments et derrière en fait c'est sourcé et référencé bon. Aujourd'hui, on peut tout trouver sur Internet. On peut tout trouver. Il y a des. Oui, mais. On est là aussi dans IRM Detox pour. Andrea, t'es progressiste quand tu veux, quoi. Et je suis ce que j'ai envie d'être. Mais je ne suis pas progressiste quand j'ai envie d'être progressiste. En tant que bio, quoi. Non, mais on voit là. Là, non. Là, c'est le côté réac, quoi. Là, c'est. Ah, je prends les. Non, il faut le bio. Absolument. C'est. Ah, sinon, non. À la base, ça se voulait. La solution, le bio. Après, c'est pas normal qu'on paye plus cher un produit qui n'est pas intoxiqué. En fait, normalement, c'est le produit toxique qui devrait être interdit, tout simplement. Moi, j'ai jamais compris. J'avais demandé à ma mère quand j'étais gamine, justement, pourquoi maman, c'est plus cher le bio alors le que. Le normal, il est plus cher. L'empoisonné, c'est le prix normal. C'est vrai qu'on a du mal à le concevoir. C'est... Après, comme j'ai dit tout à l'heure, en tout cas, j'ai que deux éléments de réponse à ça. C'est que le bio, ils produisent peu. Et en plus, ils n'ont pas de subvention, contrairement à l'industrie. Ouais. Après, c'est la spéculation qui fait le prix. Mais normalement, il y a des lois qui devraient protéger les consommateurs. Normalement, c'est ce que ce que devrait être le Codex Alimentarius, ou même le travail que devrait faire l'OMS, c'est protéger les consommateurs. Éviter les abus financiers et commerciaux des entreprises peu scrupuleuses qui vont avoir des normes sanitaires complètement abominables, etc., ou qui vont rajouter des perturbateurs endocriniens, des neurotoxiques ou des choses addictives, du glutamate, du glucose, pour rendre les gens accros. Ouais, pour rendre les gens accros, c'est un neurotoxique, le glutamate. Ouais. Et ça, normalement, ça devrait être encadré. Et malheureusement, on est en train de se rendre compte que c'est à peu près tout le contraire. C'est vrai que c'est tout le contraire. Ça a permis de vendre. Je vais finir sur une conclusion. Ça a été vite aujourd'hui. Oui, ça a été vite. On a eu aussi une invitée. Exceptionnel, c'était bien. En tout cas, sur une conclusion de l'INRA. Et du coup, je n'essaye pas de mettre d'accord les détracteurs du bio et de l'industrie conventionnelle.
Et en tout cas, Arnaud, tu nous diras ce que tu en penses par rapport à ta liste de détracteurs du bio. Ah ben je peux t'envoyer, je t'enverrai. L'INRA a publié un rapport qu'ils ont intitulé « Vers des agricultures à haute performance ». Et ce rapport compare donc les agricultures biologiques et conventionnelles, mm-hmm. notamment sur un plan agronomique. Et les auteurs estiment que les qualités des produits issus des agricultures biologiques et conventionnelles sont globalement peu différentes. Même si je n'ai pas envie d'y croire, mais... Mm-hmm. Il paraîtrait qu'elles sont globalement plus différentes. Plus on avance, plus la technologie en fait sera beaucoup plus performante en fait derrière. Et donc ça pourra contester en fait tout ce qui va être dit. On va voir si on pourra le contester. Il note toutefois une présence de pesticides nettement plus faible dans les produits issus de l'agriculture biologique. Donc effectivement, Jérôme, normalement, on n'utilise pas de pesticides dans, l'agriculture bio. Le problème, c'est que les terres cohabitent les unes à côté des autres. Oui, il y a ça aussi. C'est ça le problème. On est d'accord. Et Moi j'ai les fruits et légumes bio, bien moins d'herbicides, de pesticides, donc il y en a quand même, si tu veux, un minimum. Bah, oui, il y a quand même un minimum. C'est ça, le problème, c'est quand il y a des épandages sur des champs, le champ bio à côté, il en reçoit un petit peu quand même. Mais bien sûr, ça revient encore avec les mêmes nappes phréatiques. C'est les mêmes nappes phréatiques. C'est il y a deux semaines, ça, l'épandage. On n'a pas d'épandage, mais on parle des épandages agricoles. Les chemtrails, c'est fini. Hein. Les chemtrails, c'est fini. Là, on parle vraiment des épandages agricoles. Et pour terminer, il précise qu'il est peu probable que les consommateurs de ces produits en tirent un bénéfice significatif en termes de santé. Moi, j'ai envie d'y croire, mais bon. J'ai envie de croire à l'agriculture biologique meilleure. On n'a pas mieux. La fameuse pensée magique. Voilà, la pensée magique, bien sûr. En tout cas, il est 21h30. Vous êtes sur irm.radio et c'était IRM Détox avec Moprezzo, Jérôme et Arnaud. Et notre invitée qui est partie tout à l'heure, Babette de Rosière, qui est chef et conseillère régionale en charge de la gastronomie. Et je rappelle donc le salon qu'elle organise qui s'appelle le Sagasdom, le salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie. Donc n'hésitez pas à y aller à Porte de Versailles, 31 janvier, 1er et 2 février. Oui, Moprezzo, la première chronique, comment ça s'est passé, la première émission. Attends, il est 21h31, on va rendre l'antenne. Bah oui, c'est pour ça qu'on va lui dire au revoir et pour qu'elle revienne la semaine prochaine, j'espère. En tout cas, c'était un plaisir, juste un petit peu de stress en fait lié au transport et qui m'a un peu fait bugger de temps à autre. Mais merci vraiment pour l'accueil parce que j'ai passé un bon moment, même si c'était court, effectivement. Merci, j'ai justement hâte qu'on puisse continuer. Exactement. De prochaines émissions, tout aussi intéressantes. Encore une fois, merci. Merci à toi, merci à vous. Passez une très bonne soirée. Il est 21h31 et on vous quitte avec One Eyed Chicken de Beth Hart. À la semaine prochaine, bonne soirée. Il y a un truc de poulet là-bas. Tell Jesus, never leave us. This is my prayer.
Radio. Dans la minute, 7000 mégots environ seront balancés dans les rues de Paris, soit 10 millions par jour. IRM scanne ta vie. IRM. La nuit je dors près du canon. Mais dites-moi je dois faire comment. Je suis encore dans le sale. Je suis venu dans l'inconnu. Je repartirai inoubliable. Baby mama est trop têtue. Elle veut des bisous, pas des chaussures. Mais dites-moi ce que j'ai pas fait. Je lui ai acheté des joues épais. Mais la petite n'est plus tébé. Elle veut des sorties comme au début. Bye 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 bye. Elle me dit qu'elle a mal. Elle veut que je sois son médicament. Elle me dit qu'elle a mal. Elle me dit qu'elle a mal. Elle me dit qu'elle a mal. Elle veut que je sois son médicament. Chacun le chacun. De toute façon c'est chacun son chacun. Chacun le chacun le chacun. De toute façon c'est chacun son chacun. Elle me dit de quitter le bloc. Quitter le cartel des Sinaloa. Elle me dit qu'elle va jeter mon club. Mademoiselle veut faire la loi. Elle est restée plantée à attendre que je demande pardon. J'ai sauté sur mon cheval. La chicha ne s'allume pas sans charbon. Cabeza de mort sur le blason à l'audition. Ce soir je vais lui faire du dirty. C'est normal que je paye l'addition. Le chauffeur est en bas. Je te ramène pas, c'est trop la mission. Mais tu ne m'en voudras pas. Je suis un chacal, t'avais raison. Tu dis que je n'ai pas de cœur. Je dis que c'est juste une mauvaise gestion. Quand je t'ai montré le bail, tu as dit aïe sans poser de questions. Bye bye, bye bye, bye. Du rouge sous ses talons. Elle me dit qu'elle a mal. Elle veut que je sois son médicament. Elle me dit qu'elle a mal. Elle me dit qu'elle a mal.